Bonjour, salut, salut. Depuis votre position, soyez salués. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Doboble, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tchani. Bonne arrivée à vous. Merci d'être connecté. Toujours à mon réseau. Sachez que l'heure est venue de se parler, sinon on n'allait pas le faire. Connectez-vous alors, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous à toutes mes pages, parce que là je suis connecté sur toutes mes pages. Sur toutes mes pages Facebook et même mon compte Hervé Villa Chekna. Voilà. Donc allez-y, partagez, partagez, partagez. On va se parler ce matin. Il est... Oh putain. Attendez. Je n'arrive pas à positionner mon téléphone. Il faut que j'arrive à caler ça. Pourquoi c'est bloqué? Ouais, il faut que j'arrive à caler ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire là? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais mettre l'heure comme ça. Je saurais combien de temps j'ai fait. Il y a 1h30 minutes que j'ai commencé. Et 1 minute 30 secondes. Voilà. Je suis pas encore bien réveillé, ça se voit. Je suis aussi. Bon, soyez salués. Merci de vous connecter. Nous allons aller vraiment très précisément sur des points qui relèvent de l'actualité. C'est vrai. Des camarades ont déjà parlé. Mais moi, j'ai pas encore parlé. Voilà, j'ai pas encore parlé, j'ai rien dit encore. Donc, je vais parler. De quoi vais-je parler? Je vais parler de... comment il s'appelle? De la rébellion. Cette rébellion qui est en train de mourir aujourd'hui. Chérif Ousmane, très amaigri. Les gens ont déjà parlé. Hein. C'est... Maintenant que moi je prends ce sujet-là, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre les sujets, les analyser, voir dans quelles conditions le message peut passer pour ceux qui vont t'écouter, ceux qui vont entendre ce que tu vas dire et qui vont comprendre ce que tu veux dire. Il faut que ça se fasse comme ça. Donc, excusez-moi, je vais parler de la rébellion ce matin. Pourquoi je veux parler de la rébellion? Je veux parler de la rébellion parce que cette rébellion a endeuillé les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Les gens sont morts. Les gens ont perdu leur vie. Les gens sont tombés. Les gens n'ont plus rien parce que il y a eu une rébellion qui a voulu redonner la justice à ceux qui étaient marginalisés en Côte d'Ivoire. Chérif Ousmane, qui est un lieutenant de Alassane Dramane Ouattara, celui-là même qui était le plus shérif de tous ceux qui ont pris les armes et qui se disaient comme zone. Chérif Ousmane a fait parler de lui à travers son surnom, le guépard. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont été formés au Burkina Faso. Ils ont pris les armes, selon eux, pour redonner aux nordistes leur boubou. Alors, quand ils sont arrivés, on leur a demandé pourquoi vous avez pris les armes à travers le père Yassine Yadema du Togo. Ils ont dit que ils ont pris les armes pour que 3 millions de Burkinabés soient naturalisés ivoiriens. On a dit d'accord, c'est toute votre revendication. Ils ont dit non. En plus de cette revendication, ils souhaitent que Alassane Dramane Ouattara soit candidat aux élections présidentielles. On leur a demandé. C'est toute votre revendication. Ils ont dit non. Il faut en plus de ça, nous, comme zone, nous, chefs rebelles, obtenir des galons des commandants, puisque on s'est déjà proclamé, autoproclamé commandant des zones, des comme zones. C'est en cela que on a besoin d'un décret présidentiel pour que nous soyons tous promus au grade de commandant. On dit c'est tout ce que vous voulez. Il dit non,
On veut aussi une prime. Voilà, une prime parce que on a été soldat, on nous a jetés en prison, on a été condamné et en plus de la prime, on a besoin qu'on nous amnistie. Parce que on nous avait emprisonné au temps de Guéï à 20 ans de prison. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous êtes déjà là? Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs, je veux voir des partages. Parce que j'ai constaté que vous ne partagez pas beaucoup. Depuis un moment, je vais vous dire une chose. Vous qui êtes là, je vois 63 personnes. Il faut que ça monte, 65. Il faut que ça monte. Mais en plus de ça, je vais vous dire une chose. Parce que j'ai fait l'expérience avec ma secrétaire adjointe du PPACI, Anaké. Et dans le constat, c'est que elle qui me suit régulièrement, elle n'a pas de notification. Elle n'a plus de notification. Pourquoi elle n'a plus de notification? Parce qu'ils ont enlevé toutes les notifications. Du coup, quand elle allait vérifier la cloche qui fait comme si ça sonne, puisque autour il y a des grimaces, elle a vérifié, c'était barré. C'est-à-dire, la notification, ce n'est pas elle qui a fait, mais Facebook a expressément barré. Donc, comment on appelle? Allez-y voir la notification et cliquez sur la cloche. Cliquez sur la cloche. Voilà, je vous donne une minute pour aller le faire. Allez regarder votre cloche, sortez de la vidéo ou bien allez-y cliquer je ne sais pas où sur mon nom et vérifiez la cloche de notification et recliquez dessus. Tous ceux qui me disaient on ne reçoit plus tes notifications, on ne sait plus comment faire pour te suivre, allez-y cliquer sur la cloche de notification. Vous verrez que désormais vous aurez les notifications quand je suis en direct. Voilà ce que je voulais déjà vous dire. Donc vous savez que dans mes vidéos j'ai fait toujours l'historique pour que quelque chose reste quand on finit la vidéo. Je ne vais pas être plus long que ça. On continue. Mais mettez des cœurs et partagez. Je veux voir beaucoup de cœurs et beaucoup de partages. Voilà, beaucoup de partages. Donc, ils ont pris les armes et voici toutes leurs revendications qu'ils ont données à Fort et à Yassingbe et Yadema. Pas Fort, Fort c'est le fils, mais le père Yassingbe et Yadema. Donc, le père Yassingbe et Yadema a appelé le président Laurent Gbagbo et il lui a dit, monsieur le président, j'aurais été à ta place. Cette rébellion-là, j'allais la nettoyer. Mais comme tu m'as appelé et que tu as voulu que je sois le médiateur, que je puisse leur demander qu'est-ce qu'ils ont exactement et quelles sont leurs revendications, voici point par point ce qu'ils ont demandé. Le président Laurent Gbagbo dit, si pour que Alassane Dramane Ouattara soit candidat aux élections, je peux prendre un décret, mais je vais demander aux populations pour savoir leur avis. Mais quand je vais entendre l'avis, pour que toi aussi tu puisses voir que ce n'est pas de mon fait, mais c'est parce que Alassane Dramane Ouattara avait été déjà au temps de Guéï Robert reconnu comme quelqu'un qui a une nationalité douteuse. Donc, je vais quand même interroger la population à travers chaque couche sociale pour que chacun puisse dire si je suis d'accord ou bien si je ne suis pas d'accord. Et puis toi, tu vas voir parce que ça sera télévisé. Gbagbo Laurent rencontre les militaires. Gbagbo Laurent rencontre les étudiants. Gbagbo Laurent rencontre les jeunes. Il rencontre les chefs traditionnels. Il rencontre les chefs religieux. Il rencontre les populations ivoiriennes. À aucun moment, même les chefs religieux, chacun a donné son avis en disant Alassane Dramane Ouattara a été déjà, déclaré, quelqu'un qui a une nationalité douteuse par la Cour suprême de Tiakoné. Donc, ce n'est pas à toi de changer les choses. Maintenant, si tu veux le faire, comme nous sommes des hommes de Dieu, on va te dire de prendre sur toi ce que tu veux, ton décret, et puis fais-le. Mais sinon, dans la loi, Alassane Dramane Ouattara n'est pas éligible. Gbagbo Laurent a dit d'accord. Comme tout le monde ne veut pas, j'ai encore une force à travers la Constitution de la Côte d'Ivoire, à travers l'article 48 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, qui me donne le droit de prendre n'importe quel décret pour faire ce que je peux en tant que chef d'État. Une décision en tant que chef maintenant. Gbagbo Laurent prend l'article 48 et rend Alassane Dramane Ouattara candidat. Mais de façon exceptionnelle. Pour 2005 seulement. Bref. Amnistier les rebelles. Il accepte d'amnistier les rebelles. Vous avez tué. Vous avez ventré des populations. Vous avez égorgé des gens. Vous avez enterré des gens vivants, vous avez brûlé des gens vifs, vous avez éventré des femmes enceintes.
pour leur donner l'échographie de leur enfant. Tout ça, là, vous avez fait en Côte d'Ivoire. Mais je prends sur moi et je vous amnistie. Vous tous, autant que vous êtes. Vous avez besoin de primes. Je vous donne des primes. Chacun aura une telle somme. Vous avez besoin de galons. Je vous donne vos galons de commandant. Vous tous, vous avez fait des formations ou pas, vous êtes tous commandants. Comme vous-même, vous avez décidé. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi encore? Vous voulez rentrer dans le gouvernement? Il n'y a pas de souci. Ramenez-moi des noms. On va vous nommer ministre. Tout a été fait avec l'accord de Ouaga finalement. Tout ce que moi je vous demande, Attaque Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, je vous demande de déposer les armes. Revenez dans la République. La Côte d'Ivoire nous appartient. Nous sommes tous fils et filles de la Côte d'Ivoire. Je ne vous demande pas mille choses. Je ne vous demande même pas de venir vous agenouiller pour reconnaître votre tort. Je ne vous demande pas de payer, de rembourser tout ce que vous avez pris dans le Nord quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Je vous demande juste une seule chose. Déposer les armes. Rentrer dans la République. Alors, ils ont fait croire au président Laurent Gbagbo qu'ils allaient déposer des armes. Alors, ils ont fait un grand feu avec des anciens fusils que la rébellion a déposés. Et on a fait de façon symbolique brûler ces fusils-là à un stade pour montrer aux yeux du monde entier que la guerre est finie. Ce jour-là, c'était le slogan de ce jour. La guerre est finie. La guerre est finie. La guerre est finie. Ça, c'était Gbagbo Laurent. Sauf que, après quelques années, Alassane Draman Ouattara et ses suppôts, et ses maîtres surtout, ont décidé que la guerre ne pouvait pas être finie comme ça. Tant que Gbagbo Laurent reste au pouvoir, la guerre n'est pas terminée. Il faut alors tout faire, tout mettre en œuvre pour reconquérir ces rebelles qui ont accepté de déposer les armes, ces rebelles qui ont accepté toutes les conditions de Gbagbo Laurent, et la seule condition de Gbagbo Laurent, et qui ont vu leurs conditions acceptées. Il fallait les reconquérir. Il fallait aller vers eux. Et les plus récalcitrants devaient être éliminés. Dans les plus récalcitrants, Soro Kibafori Guillaume a vu son nom apparaître. Donc, il devait être éliminé. Dans les plus récalcitrants, il y avait Ouattaro. Il devait être éliminé. Dans les plus récalcitrants, qui jouaient les doubles jeux d'ailleurs, il y avait Chérif Ousmane. Dans les plus récalcitrants, il y avait Vétio, Touré Hervé dit Vétio. Dans les plus récalcitrants, il y avait Fofie Kouakou. Voici les plus récalcitrants qui tenaient peut-être à Alassane Draman Ouattara. Il fallait les régler. Alors, ils ont commencé par la première personne qui avait été nommée premier ministre du président Laurent Gbagbo à travers l'accord de Ouaga. C'était Soro Kibafori Guillaume. Son avion a été bombardé. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait qui avait bombardé l'avion de Soro Kibafori Guillaume. Mais tous les regards s'étaient tournés vers le président Laurent Gbagbo, disant que c'est Gbagbo Laurent qui avait voulu en finir avec le chef rebelle Soro. Pourtant, c'était à Boaké, à l'atterrissage de l'avion ministériel, présidentiel, que Soro avait échappé à la mort. C'est Ouattaro qui avait été blessé, qui était un peu souffrant avec ses béquilles, qui allait à l'aéroport pour sauver Soro. Mais ceux qui tiraient, puisque la zone de Boaké était, pour ceux qui ne savent pas, la zone de Boaké, les panafricanistes qui me suivent actuellement, la zone de Boaké était occupée par les rebelles. Donc, c'était pas les forces gouvernementales qui ont tiré sur l'avion de Soro. Ceux qui occupaient l'aéroport, le port et l'aéroport et toutes les institutions ou les structures au niveau de Boaké, y compris la télévision radio de Boaké, c'était les rebelles. Donc, un loyaliste ne peut pas aller se camoufler dans les feuillages pour tirer sur l'avion de Soro. C'est forcément entre eux, chefs rebelles, que le conflit s'est levé. Donc, ils ont voulu éliminer Soro. Soro Kibafori Guillaume, aujourd'hui, si vous lui posez la question, il vous dira qui a voulu l'éliminer. Parce que lui, il le sait. Parce que les renseignements généraux lui ont donné les noms de ceux qui ont essayé de l'assassiner.
Il sait que Dramane Ouattara est derrière cela. Il sait que beaucoup de tous ceux-là sont derrière. Voici comment ça a échoué. Il n'est pas mort, mais il a perdu beaucoup de lieutenants. Après avoir loupé Soro, ils se sont apaisés un peu, ils ont diminué leur dose, et puis ils ont commencé à traquer les autres. Jusqu'à ce que, à la dernière minute, c'est-à-dire la dernière année, à partir de 2016-2017, ils ont commencé à les éliminer maintenant. En commençant par son bras armé, le grand Ouattaou, le sabre de blé. Ils l'ont fait tomber. Ils l'ont fait tomber parce que physiquement, si on tire sur lui, vu qu'ils ont tiré sur son patron, Soro Kibafori Guillaume, et qu'ils ne l'ont pas eu, ils se sont dit que peut-être mystiquement, ils sont prêts. Donc, en tirant sur eux, ça ne va pas rentrer peut-être. Donc, on ne va plus prendre l'option des tirs. C'est Tene Brahima qui a dit, tirez, tirez là. Ils ne vont pas mourir. Parce que nous tous, on sait où ils s'en vont prendre leurs fétiches. Donc, ce qu'on va faire, on ne va plus tirer. On va les faire à manger le poison. On va les faire avaler le poison. C'est comme ça que il est venu avec sa fiole, dont tout le monde parle depuis. Et les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Et les gens pensent que ce sont des fausses accusations. Et les gens pensent que les gens l'accusent parce qu'on n'a rien à dire. On ne sait pas de quoi on parle. Ce monsieur est un fioleur. Parce qu'on lui a montré la fiole. On lui a dit comment faire pour finir avec ces hommes politiques comme opposants, comme ses propres partenaires politiques. Partagez les amis. Est-ce que vous êtes... Je ne vois même pas... Aïe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois pas les partages? Je ne vois même pas les commentaires. Attends, ici... Ah oui, il y a des commentaires ici. Partagez les amis. Mettez des cœurs. Mettez assez de cœurs. Et partagez. Voilà. Si vous êtes d'accord... Oh putain. Si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, il faut partager. Il faut démontrer que vous êtes là et que vous n'êtes pas des manipulés. Vous êtes là pour écouter la vérité. Ici, c'est la page de la vérité. Ici, c'est le lieu où on s'éduque. C'est le lieu où on discute politique. Il faut continuer à partager. Quelqu'un a écrit en commentaire, Dieu est juste, qu'on a dit, c'est une mission de Kone Zakaria. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Dites-moi s'il n'y a pas de son. On me dit, il n'y a pas de son. Tapotez, tapotez. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son pour que je continue? Est-ce qu'il y a le son pour que je continue? D'accord, on dit il y a le son. Voilà, il y a le son. On me dit il y a le son, donc je continue. Le son est bon. La vie de ma mère qui Kibafori Soro. Ah, d'accord. D'accord. Oui, 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 le son est bon. OK. Donc, on continue. Mais il faut partager, il faut mettre des cœurs. Vous êtes là, je vous vois ici maintenant en commentaire. Il faut partager. Est-ce que cette vidéo ne vaut pas au moins 1000 personnes en direct? Cette vidéo que je suis en train de faire là. Est-ce que ça ne vaut pas au moins 1000 personnes en direct? Mettez des cœurs et partagez à vos amis, partagez dans les groupes. Il faut que tout le monde entende ce que je vais dire. Marin Josier, big up à toi. Ah, il y a longtemps, hein? Marin Josier. Big up à toi, Marin. Tu nous as oubliés, mais on est là. Je suis continuant. Donc, voilà comment Soro Kibafori Guillaume, qui a échappé à la mort, il est arrivé que Ouattaou a été fiolé. Parce que lui, on ne pouvait pas tirer sur lui. Donc Ouattaou a été fiolé. Ouattaou, il a commencé. Parce que leur fiole, là, ils ont compris. Parce que quand ils te donnent ça tout de suite, tu tombes, tu es mort, on va savoir où tu as pris ça et qui t'a fait ça. Donc, ils ne font pas ça un coup KO comme ça. Ils te donnent, ça te fait passer quelques jours encore. Mais sauf que ça te suce, ça t'assèche le sang. Ça t'assèche le sang. Et beaucoup ne savent pas c'est quoi ces fioles-là. Vous savez, il y a un policier français d'origine africaine qui m'a donné l'information dessus.
Il m'a donné l'information. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit la première des choses. Ok, tu es là, Josier, marin Josier. Ok, big up à toi. Il m'a dit la première des choses. C'est que, comment ils font pour te fioler? Il dit même quand il te rencontre, il peut te donner un rendez-vous dans un café, ici en France. Ça, je parle de la France et pas de la Côte d'Ivoire. Et puis, le café dans lequel il t'a donné rendez-vous là, le barman même là, c'est un gars du renseignement général. Il travaille pour les services secrets français. Ton café que toi tu as pris, tu dis non, tu es dans un bar inconnu. Mais ton café que tu es en train de prendre, ça est dedans. Tu finis de boire là, tu es aussi. Mais c'est pas sur place. Tu rentres chez toi. Parce que si sur place, tu tombes, on va accuser le gars du café. Ou bien on va accuser celui qui est venu prendre café avec toi. Donc tu tombes pas sur place. Ça t'assèche le sang. Et il m'a dit le produit qu'ils prennent, c'est radiateur d'avion. La poudre de radiateur d'avion, là, ils prennent ça. Et puis ils mettent ça. Souvent, ils font ça en gouttes. Souvent, ils font ça en poudre. Mais ils mettent ça dedans. Et ça, comme c'est radioactif, ça t'assèche le sang. Donc, oh, si tu commences à manquer de sang, tu commences à t'amaigrir. Toi-même, tu commences à sécher. Ta peau même se colle sur ton corps. Parce que ta chair ne tient plus. Je vais pas continuer ces détails-là. Il a dit, il y a comme ça qu'ils peuvent t'avoir. Ou bien, la poudre-là, il peut mettre sur ton habit. Un vêtement que tu as l'habitude de porter, ou bien ton chapeau que tu as l'habitude de mettre. Bref. Voici comment Adé Zagadou, merci d'avoir partagé dans 38 groupes. C'est comme ça, il faut partager dans plusieurs groupes. Yasmina Palmer, Christian Junior Gueye, partager dans les groupes, partout, les inbox des gens, tout, partager. Parce que c'est ici, comme je vous ai dit, la page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons étudié la science politique. On va vous faire de la politique. C'est comme ça que Ouattara a été empoisonné. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Mais aujourd'hui, vous savez où il est parti. Ahmed Bakayoko, le poulain, lui aussi a été violé. Et lui, il a couru parce qu'on lui a dit qu'il est venu en France d'abord. Et de la France, il est allé en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a comment on appelle? Il y a une clinique qui est spécialisée pour les empoisonnés. Sinon, il n'allait pas partir en Allemagne. Et il n'allait pas partir dans cette clinique qui est spécialisée en empoisonnement. Là-bas, il a perdu la vie parce que c'était trop tard. Le temps qu'on le fait tourner en France et tout, le temps qu'il va arriver là-bas, c'était trop tard. Ce poison-là, ils ont donné ça à... Comment il s'appelle? Ils ont donné ça à chose. Ils ont donné ça à qui, là? Oh, putain. Ils ont donné ça à Wassenan Kone. Wassenan Kone dit, il était, c'est-à-dire il est vivant, mais il avait commencé à devenir vert, gris. Il avait commencé à devenir gris. Il était en train de mourir vivant. Grâce à son fils et à ses enfants, et au président Féari Koda Bédié, on a pu l'amener encore dans une clinique où le poison a été extirpé. Un peu, il s'est repris. Le Dibi, celui qui était au temps de Gbagbo, ministre des Finances, sous Alassane Draman Ouattara, il a pris aussi ministère des Finances là, et des budgets ou quoi là. Dibi, comment il s'appelle même? Charles Dibi, non? Qui connaît le nom? Je vais participer à ce direct là, les amis. Participer en écrivant aussi. Et très rapidement, hein, soyez très réactifs. Charles Dibi, je crois. Charles Dibi a été fiolé. Empoisonné. Lui aussi, il a commencé à s'assécher, maigri, amaigrissement, il a perdu la vie. C'est Charles Dibi, ouais. Voilà, Donancien. Voilà, ils sont en train d'écrire Charles Dibi. Charles Kofi Dibi, merci. Charles Kofi Dibi, lui aussi, a commencé à s'assécher et il a perdu la vie. Après Charles Kofi Dibi, je ne dis pas après parce que dans l'ordre, je ne vous dis pas dans l'ordre, je vous cite des noms pour que vous sachiez quels sont ceux qui ont été violés
et quel a été leur assèchement. Parce que vous avez vu leur peau s'assécher jusqu'à leur mort. Charles Kofi Dibi. Il y a une qui a échappé à la mort et qui est encore en train de résister entre la mort et la vie. Parce que ils lui ont donné l'antidote en fait. Mais l'antidote là, c'est que ce n'est pas en train de la guérir, mais ce n'est pas en train de la tuer. Et elle est au milieu comme ça. Il s'agit de cette dame, la chancelière d'Alassane Dramane Ouattara, Dagry Diabaté. Vous avez vu? Vous la voyez comment elle est là? C'est la fiole là. Sauf qu'ils lui ont donné l'antidote. Parce qu'ils ont l'antidote. Ce que je vous dis là, ils ont l'antidote. C'est pas qu'ils n'ont pas l'antidote. Ils ont l'antidote. Ils ont l'antidote. Et elle a failli mourir. Mais les gens ont dit, façon, comment il s'appelle? Ouattara est mort. Comment il s'appelle? Charles Kofi Dibi est mort. Ahmed Bakayoko est mort. Gon Koulibaly est mort. Si Dagry Diabaté tombe encore, ça sera la mort de trop. Donc il faut gérer ça pour qu'elle au moins vive, pour ne pas que tous ceux qui sont en train d'accuser que vous donnez le même poison à eux tous, parce que c'est en train de les assécher, on ne dise pas que Dagry Diabaté aussi. Donc ils lui ont donné l'antidote qui l'a fait résister jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas encore tombée. Voilà. Et elle peut avoir longue vie. Nous sommes PPACI. Nous ne sommes pas là pour que les gens y meurent. Voilà. Mais ce n'est pas nous qui les empoisonnons, justement. Donc, Dagry Diabaté tient encore. Elle tient encore. Il y a un nom même que j'ai oublié. Il y a un nom, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est Banjo. Ou bien, c'est, je ne sais pas ici, il s'appelle Banjo. Qui se rappelle de ce ancien ministre qui a été invité au palais présidentiel chez Alassane Dramane Ouattara. Là-bas, lui, il a bu de l'eau. C'est dans l'eau-là qu'il avait mis le poison. Quand il est sorti de là-bas, il a eu cancer de gorge. Hein? Et c'est sa famille qui m'a appelé pour m'expliquer ça. Je ne sais pas si ça s'appelle Banjo ou bien quoi là. Lui, ils ont mis dans l'eau. Tu vois qu'on met dans le repas là, ça passe avec ma nourriture, machin. Mais lui, ils ont mis dans l'eau. Oh, l'eau là. Tiens, le gars a eu cancer de gorge. Cancer de gorge, il est venu se soigner en France. Il a perdu la vie. Dagobert Banjo, voilà. Dagobert Banjo, merci Yaro Anou. Dagobert Banjo, sa famille m'a appelé pour m'expliquer ça. Que c'est au palais, moi-même je ne savais pas. Et je le confondais avec l'autre Banjo du PDCI RDA, là. Je le confondais à lui. C'est Dagobert, c'est pas Rigobert, c'est Dagobert Banjo du PDCI RDA, lui aussi. Donc je le confondais avec l'autre. Les amis, partagez, continuez de partager. Montez le mercure, parce que cette vidéo vaut minimum 1000 personnes en direct. C'est ce que je vous dis. Atteignons ça aujourd'hui là, vite fait, parce que mes collègues vont arriver tout à l'heure. Atteignons les 1000. Comment continuer de partager? Quand je parle, vous mettez des cœurs et puis vous continuez de partager. Dagobert Banjo là, ses parents m'ont appelé. Ses parents m'ont appelé. Il peut pas parler. Il peut pas parler. Il peut pas parler, parce que s'il parle, comme ce sont des personnalités, ce sont les enfants des personnalités, ce sont les sœurs des personnalités, ce sont les familles des personnalités, si eux ils parlent directement, on va les finir. Ce qui a fait que la femme d'Ahmed Bakayoko n'a plus parlé, Yolande. Elle n'a plus rien dit, parce que Alassane Dramane Ouattara, personnellement, est venu l'attraper pour dire, ma petite, faut bouffer les jetons là, et puis, bouche cousue. Ahmed Bakayoko, il a engrangé assez de richesses depuis la rébellion. Donc, en poche et puis bouche cousue. Elle s'est tue dessus. Sinon, la mort de la manière son type est parti là. Non, si c'est quelqu'un qui... Bon, bref, je veux pas qu'on me pousse. On me poursuive ici. On me lance un mandat d'arrêt. Donc, Dagobert Banjo est parti comme ça. Atrocement. Parce qu'il a été empoisonné. On avance dans nos propos. Akissi Jeanne Madou, big up à toi. J'ai vu tes appels, hein. Je vais te rappeler. On avance dans l'explication. Parce que j'arrive à Chérif Ousmane. Ce qui arrive aujourd'hui, et puis les gens sont là. Oh, vous là, vous aimez trop extrapoler les choses, vous aimez trop
aggraver les choses. Non, non, calmez-vous. C'est pas nous qui aggravons les choses. C'est les choses qui s'aggravent et puis nous on vous informe et puis nous on vous dénonce ça. Et puis vous, au lieu de nous remercier, de vous avoir dénoncé les faits, vous nous prenez pour tout, comment on appelle, vous nous prenez comme les responsables, comme si c'est nous qui avons violé les gens. C'est pas nous qui avons violé quelqu'un. Les gens ils violent et puis nous on vient analyser, vous montrer comment ils font et qui, avec qui ils ont fait depuis la session de Daman Ouattara au pouvoir. Ça fait 13 ans. Et si on compte ceux qui sont morts, ils peuvent être 13 aussi. En tout cas, les personnalités connues. Les inconnus, ça, je ne parle pas d'eux. Mais ceux qui sont connus, là, il faut les compter. Compter les nombres. Depuis que ça a été cité, je n'ai pas cité tout le monde, puisque je ne me rappelle même pas des d'autres. Mais comptez-les, et puis vous allez me dire s'ils n'atteignent même pas 13 pour 13 ans de pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. C'est comme ça, cher ami. C'est comme ça, cher ami, que elle a été empoisonnée, la dame Dagry Diabaté. Donc, à un moment donné, ils ont voulu violer encore les Touré Hervé, dit Vétio. Touré Hervé, là, ils ont voulu le violer. Il a eu sa chance parce que il s'est ramolli. Il a décidé d'être loin des caméras. Il a décidé d'aller se mettre à l'ENA pour qu'il soit préfet. Il a demandé à partir vers l'ENA. Fofie Kouakou, lui, à un moment, il était chaud. Il s'est calmé aussi. Maintenant, les hommes de Alassane Draman Ouattara, les Diagao, les Kone Zakaria, Chérif Ousmane, il était obligé de rentrer dans les rangs. Parce que quand il a vu que Soro a fui, il était obligé de rentrer dans les rangs. Parce qu'avant que Soro ne fuit là, quand il a vu qu'ils ont tué Ouattao là, lui il s'est calmé. Un moment on n'entendait plus parler de lui. Donc il a commencé à se rapprocher. Il a commencé à se coller à Alassane Draman Ouattara pour montrer qu'il est à 100% avec lui. C'est comme ça qu'on a commencé à les grader. On l'a nommé général de brigade. Kone Zakaria, pareil. Eux tous, Diagao même, il est dans l'oubliette. Parce que Diagao, si vous ne savez pas, il a échappé lui aussi à la mort. Il est venu se soigner en France ici. Beaucoup ne savent pas ça. D'autres même ne le connaissent pas parce qu'on n'entend pas trop parler de lui. On ne sait pas qui c'est. Vous comprenez? On ne sait pas qui c'est. Beaucoup ont commencé à se rapprocher de lui. Beaucoup ne se rappellent pas de lui. Diagao, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mari de... comment il s'appelle? L'artiste, là. L'artiste, celle qui chante, je ne sais pas quoi, là. L'artiste lesbienne, là, Lélé, là. J'ai oublié son nom, celle-là. Afou Keïta. Voilà. Diagao, c'est le mari d'Afou Keïta. C'est aussi le mari d'Ei Biekissé, Traoré, Mariam. Voilà. Diagao, il a Afou Keïta et Traoré Mariam, qui est sa deuxième femme. Et il a une troisième. Lui, il a des femmes. Hein. Il a beaucoup de femmes. Vous comprenez? Donc, Diagao, il a Afou Keïta. Il a Traoré Mariam, et puis il a une autre encore. Voilà les trois de Diagao. Il a failli être violé. Il a été violé, même il a failli mourir. Il a fui pour venir se soigner, lui aussi en Europe. On n'a pas trop fait de commentaires derrière ça, comme il est ressorti vivant. Pourtant, lui, c'était c'est-à-dire, lui, c'est le gars d'Alassane Draman Ouattara. C'est son type même. Mais il a failli être violé. Pourquoi? Parce que Ahmed Bakayoko, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ils se disent, mais attends, comment il s'appelle? Diagao. Et comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko était le fils, était l'enfant chouchou d'Alassane Draman Ouattara. Comment vous pouvez dire qu'il a été violé par Alassane Draman Ouattara? Mais il a été violé parce que on l'avait appelé. On l'avait appelé. Le président Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles, a appelé quand ils ont fait le blocus chez
le président Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent, il n'a pas appelé Alassane Dramane Ouattara, il a appelé Ahmed Bakayoko. Et dès que Alassane Dramane Ouattara a su ça, parce que depuis un moment, le président Laurent Gbagbo n'appelait pas Alassane Dramane Ouattara, il ne parlait même pas avec lui. Mais le fait qu'il ait dit qu'il a parlé avec Ahmed Bakayoko, je ne dis pas que c'est parce qu'il a vendu Ahmed Bakayoko, ce n'est pas lui qui l'a vendu. Mais vous connaissez Gbagbo Laurent, son cœur là, ce qui est dedans, c'est ce qu'il dit. Donc le président Laurent Gbagbo a dit simplement qu'il a dit à Ahmed Bakayoko de ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire au président Henri Konan Bédié. C'est un ancien président et sa femme n'a rien à voir dans la politique. Il faut éviter de faire un blocus, lancer des gaz lacrymogènes chez lui, effrayer en tirant un peu partout. Alassane Dramane Ouattara n'a pas aimé ça. Et en plus de ça, ce qui a fait qu'il n'a pas aimé parce que il dit que, comment il s'appelle ? Il dit que Ahmed Bakayoko voulait forcément sa place. Vu que Gon Coulibaly était mort, Ahmed Bakayoko se croyait le challenger. Il se croyait le dauphin. Celui qu'on allait prendre maintenant pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc il faut enlever cette velléité de vouloir être président de la République dans sa tête. En plus de ça, ce n'est pas fini. Hein. En plus de ça, la DEA américaine a découvert que Ahmed Bakayoko était le narcotrafiquant de toute cette zone. Son nom a été cité. C'est lui qui faisait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire et partageait dans la sous-région à travers ses réseaux. Tout ça là, ça allait empoisonner le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Donc Alassane Dramane Ouattara aimait Ahmed Bakayoko, mais Ahmed Bakayoko était un poison pour lui. Donc il fallait l'enlever sur la terre des vivants. Ahmed Bakayoko, ils l'ont expédié au cieux, Mais qui était derrière la découverte de tous ces trucs de narco? C'est, comment il s'appelle, Alassane Dramane Ouattara. Ça étonne les gens, mais oui, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a donné le feu vert pour que les enquêtes soient menées sur Ahmed Bakayoko. Et quand ça a été mené, que ça a été confirmé, il fallait l'effacer. Parce qu'il ne pouvait pas l'enlever, Premier ministre. S'il enlève Ahmed Bakayoko, Premier ministre, il enlève dans le ministère qui les quatre du pouvoir, Ahmed Bakayoko est capable de, comment on appelle, faire révolter des gens qu'il a mis aussi au ministère de la Défense. Avant d'être Premier ministre, il était ministre de la Défense. Il a été ministre de l'Intérieur. Donc il a des hommes sous ses bras. Maintenant, d'où vient la fiole qui a atteint celui qu'on appelle le général Chérif Ousmane. Rappelez-vous avec le problème du Mali. Lorsque le Mali a commencé à faire arrêter les hommes d'Alassane Dramane Ouattara envoyés au Mali, les 49 soldats. Écoutez-moi très bien et puis partagez, mettez des cœurs. Parce que révélation sur révélation, je suis en train de casser les dalles. Donc dans ce cassement des dalles, vous devez participer avec moi en mettant des cœurs et en partageant dans les groupes. Continuez. Ceux qui n'ont pas encore partagé dans les groupes, Master Bill Lago, big up à toi. Il faut partager dans les groupes. Partagez dans les groupes et plusieurs groupes. Il y en a qui partagent 30 fois. Comment vous n'êtes pas capable de partager 30 fois? Soyez capable de partager 30 fois au moins. Ça va partir partout. Quand on voit qu'il y a plus de partages, ça attire des curiosités. Et puis on dit, mais qu'est-ce qu'il a dit de bon? Et puis il y a eu beaucoup de partages comme ça. Et puis les gens, ils viennent suivre. Donc, amenez-les à venir écouter ici. Qu'est-ce qui a fait que le shérif Ousmane a été violé? Je vous ai dit ça dans une vidéo, mais vous n'avez pas prêté attention. Pendant la période des 49 soldats, Alassane Dramane Ouattara avait besoin d'un Superman pour aller libérer ces mercenaires qu'il avait envoyés en chose, comment on appelle, au Mali. Il a vu Kone Zakaria, mais Kone Zakaria avait déjà essayé une fois. Il a essayé ça où? Burkina Faso, Kone Zakaria. Et même au Mali. Kone Zakaria, il a été envoyé en mission. Mais sauf que ils ont repoussé sa mission au Mali. Donc il n'a pas pu tenir. Comme tout le monde sait qu'il y a Papa Guépard, l'homme qui a pour surnom Guépard, c'est Chérif Ousmane.
ils se sont concentrés sur Chérif Ousmane. Il a été appelé par Alassane Draman Ouattara. On l'a fait asseoir. Et Alassane Draman Ouattara lui a dit, Chérif, c'est toi mon Rambo. C'est toi mon soldat le plus aguerri des combats. C'est toi, j'ai mon espoir. Humilie le Mali. Montre aux Maliens que on a des soldats aguerris en Côte d'Ivoire. Montre aux Maliens que je suis le maître absolu de la sous-région. Montre au Mali que leur manque de respect là, ils vont payer ça jusqu'à leur dernière génération. Montre au Mali que c'est moi, Alassane Draman Ouattara, qui est le patron de cette zone là. Va et ramène-moi mes 49. Chérif Ousmane a regardé Alassane Draman Ouattara. Il a dit, papa, merci pour tous ces honneurs. Merci pour ce que tu dis. Merci de m'avoir donné même ces galons. Merci de penser que je suis le numéro one, le number one des guerriers. Merci. Merci de m'élever devant mes autres collègues. Merci. Merci de faire de moi ton fils digne, celui que tu peux envoyer à toutes les missions. Mais papa, mission de Mali là, Iye Savary. Savary, Ake Alakama. Iye Savary, Ake Alakama. Alassane Draman Ouattara dit Alakama là, ça veut dire quoi? Iye Savary veut dire quoi? Parce que lui, il ne comprend pas Djoula. Ake Alakama. Tu peux m'envoyer partout, mais pas au Mali. Je suis prêt à aller partout, même au ciel, pour aller chercher les anges là, pour les amener sur la terre pour toi. Je suis prêt à aller sur Jupiter. Je suis prêt à aller sur Versus. Sur Vénus. Versus, Vénus. Sur Vénus. Je suis prêt à aller partout. Mais Mali, où Assimi Goïta se trouve là, hein? À quel là comment? Savary. Si tu m'aimes vraiment, comme tu as cité là. Si c'est à cause de ça, tu m'as donné galon de général là. Savary. Il y a galonta. Il veut dire qu'il y a galonta. Galonta, parce que vraiment. Il y a Galonta, 49 soldats au Mali, et puis on les a pris. Et puis tu dis, moi, Chérif Ousmane, je n'ai qu'à aller au Mali, aller les chercher, pour te les ramener au complet. 49, 49 partis arrêtés, 49 revenus. Ah! 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 Iye Savary. Vraiment, je peux tout faire pour toi. Je peux tout faire, tout ce que tu me demandes là, j'ai fait. Mais Mali, où le colonel Assimi Goïta est assis, et puis il regarde l'ambassadeur français, et puis il dit Tara. Et puis il regarde l'armée française, et puis il dit Aïboyan. C'est là-bas là que toi tu veux m'envoyer. Vraiment, je sais que tu ne m'aimes pas. En réalité là, toi tu ne veux pas mon bonheur. Bon, je dis ça pour détendre un peu l'atmosphère. Voilà, il faut qu'on rigole un peu quand même. Vous êtes 500 personnes. Ça monte. Je vous ai demandé 1000 personnes en direct. 500 là, c'est petit. Montez jusqu'à 1000 parce que je suis en train de casser les dalles. Ce qui a fait que la figure de Chérif Ousmane, vous avez vu là. Ce qui a fait que Chérif Ousmane a été violé là. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est son refus d'aller. Parce qu'il a dit à Alassane Draman Ouattara, pour parler plus sérieusement. Il a dit à Alassane Draman Ouattara, les Maliens là, je les ai utilisés. Pourquoi on puisse te mettre au pouvoir là? On a utilisé des mercenaires maliens. On est parti dans les foyers. On est parti au Mali. On a recruté des Maliens. On leur a dit, si Alassane Draman Ouattara vient au pouvoir, vous aurez tous les nationalités ivoiriennes. Vous aurez des grands marchés. On va vous donner des marchés en Côte d'Ivoire. On va ouvrir le port pour vous. On va faire plein de choses pour vous. Toutes les promesses là, on va faire ça. On est prêt à vous aider. Mais venez nous aider à mettre en place, à la tête de l'État, un musulman. Un gars du Nord, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Même nom qu'un Malien. Mettons-le au pouvoir. Et on vous donne ça, on vous donne ça, on vous donne ça. Voici comment Chérif Ousmane explique à Alassane Draman Ouattara que les Maliens, là, c'est des guerriers. Quand on a voulu prendre le pays pour toi, là, ce sont eux qui se sont... Tu les vois en train de foncer sur les loyalistes. Leur cœur, papa, ça coupe pas. Donc ceux-là, si on veut les attaquer, ou bien on veut rentrer chez eux pour faire sortir
les 49 là, ça c'est dans film. C'est cinéma, ça, c'est, tu as regardé film. Tu as regardé film. Il dit, mais c'est pas toi, j'ai vu dans une photo, Chérif Ousmane. Je t'ai vu dans une photo, tu es arrêté devant. Et puis les gens sont derrière toi. Hein? Tu es devant et puis les gens sont derrière toi. Avec Kalash. Tu as arme dans ta main. Et puis les gens sont derrière. C'est pas toi. Mais Chérif Ousmane dit, NTC, je peux pas. Alassane Dramane Ouattara dit, d'accord. Il était rendu général. Tu refuses d'aller faire cette mission en disant que les militaires maliens t'ont prouvé leur engagement. Les militaires maliens, tu ne peux pas les affronter. Donc, j'ai compris. À partir de là, Chérif Ousmane a commencé à croire que Ouattara veut l'éliminer. Et comme il a commencé à croire que Ouattara veut l'éliminer, il a commencé à un peu, il respecte, mais en même temps, il prend ses distances. Or, quiconque fait ça est dans le collimateur d'Alassane Dramane Ouattara. En même temps qu'il prend ses distances, Alassane Dramane Ouattara pense que Chérif Ousmane veut faire un coup d'État contre lui. Voilà la raison. Le fioleur en chef, parce que rappelez-vous dernièrement, qui est Chérif Ousmane? Quel est le grade qu'il occupe? Il est général de brigade, mais quelle est la fonction qu'il occupe en tant que général de brigade? Chérif Ousmane est le chef d'état-major de l'armée de terre. En tant que chef d'état-major de l'armée de terre, dernièrement, l'armée de terre s'est révoltée. Il y a eu des bruits dans l'armée de terre. Il y avait des bruits de bottes. Il y avait des murmures. Les gens grognaient. Les militaires grognaient. Alassane Dramane Ouattara s'est senti menacé. Cette grogne-là a fait que Alassane Dramane Ouattara a convoqué les militaires au palais. Rappelez-vous, il les a convoqués au palais où il y a un militaire qui a pris la parole pour dire non, Alassane Dramane Ouattara, tu es notre papa, que personne ne va profiter de notre grogne-là pour faire un coup. Que nous, on est avec toi, mais il faut régler notre problème. Alassane Dramane Ouattara avait cherché à régler le problème. Mais sauf que il n'a pas aimé que le chef d'état-major de l'armée de terre, Chérif Ousmane, soutenait la grogne des militaires. Il était d'accord avec ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas supporté tout ça. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'éliminer Chérif Ousmane parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est. Ils ne comprennent pas ce qu'il est. Les moutons d'Ado, là, je ne vous ai pas appelé ici. Vous n'allez pas me troubler. Les moutons d'Ado, je vois les commentaires qu'il ne peut pas tomber malade, quoi. C'est ce que vous avez dit pour Ahmed Bakayoko, non? Il est où? Aux cieux. Quand on a parlé de Soumaoro Cimetière, celui qui était président de l'Assemblée nationale, Soumaoro Cimetière, vous avez oublié Soumaoro Cimetière? Il a été amené aux cieux. Quand on parlait, vous avez dit tout le monde. Donc il ne peut pas tomber malade, quoi. Soumaoro Cimetière, quand même, il est malade. Mais il est où? Abemi, Nyamrode Nounou, Abemi, Soumaoro Bemi, Amasawa, Soumaoro Bemi, Nyamrode Nounou, Batra Den, Faforo Nounou. Soumaoro Cimetière là, il est où? Quand on parlait de lui, c'est moi j'ai fait vidéo sur Soumaoro Cimetière. Il a dit lui là, il est en train de mourir. C'est vous les Nyamrode là qui êtes venus dire que non, il n'est pas en train de mourir. Et que tout le monde peut tomber malade. Est-ce qu'on ne tombe pas malade? Il est où aujourd'hui? Il n'est pas aux cieux. Amasawa. Amatara à la fewa. À Sala. Allez, il est à Teta à la fe. Aveta Chétan le fait. Aveta Chétan le fait. À Teta à la fe. Non. Il ne va pas chez Dieu. Il va chez Satan. Voilà. Il va chez Satan. Nyamorde nounou. Quand on parle à chaque fois, donc on ne tombe pas malade, quoi. Regardez, attendez. Il va chercher. Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai ça même? Il faut pas dire j'ai montré puis j'ai pas trouvé. Il faut qu'il monte la tête. Est-ce que ça y est ici? Non. Attendez. Je vais quitter ici. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller dans mes photos. Je pense que j'ai sa photo. Sa tête est où?
que ouais, on ne peut pas tomber malade. On tombe malade, oui. Tout le monde tombe malade. Moi-même, je tombe malade. J'ai dit moi-même, moi, je tombe malade. Tout le monde tombe malade sur la terre. On est tous faits de chair, d'os, de sang. Donc, on tombe malade. Mais, depuis un moment, on a commencé à constater que ceux qui tombent malades et qui ont cette tête-là, c'est souvent le poison qui les rend comme ça. Donc, quand on parle de poison, on n'est pas en train d'insulter quelqu'un. On est en train de vous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Depuis le temps d'Ahmed Bagayoko, on vous dit, mais vous ne croyez pas toujours. Ou bien vous faites semblant, ou bien vous faites partie de ceux qui empoisonnent. Vous êtes les parents de ceux qui empoisonnent. Vous soutenez les empoisonneurs. Bon, je ne retrouve pas, je ne vais pas m'éterniser dessus. Je ne retrouve pas sa photo. Hein, la photo de Chérif Ousmane sur mon autre téléphone. Je ne retrouve pas. Ça est dans ce téléphone-là. Voilà, où il fait mon direct. Donc, je suis désolé, je ne vais pas vous montrer ça. Je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, voilà, cher ami, montez le mercure, hein, patate, je n'ai pas encore fini. Je vais finir tout à l'heure, mais je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Papa Guépa est accusé d'être soroïste. Mais c'est ça, Max Tebil Lago. Il avait été déjà soroïste. C'est tout à l'heure, peut-être qu'il est venu en retard. Sinon, j'ai commencé par là. Donc, quand tu as été déjà une fois accusé d'être soroïste, ça reste dans ta vie. Ça, jusqu'à ce que tu ailles aussi aux cieux. Chérif Ousmane était amaigri. Si quelqu'un peut mettre la photo dans les commentaires pour que les gens viennent voir. Ce qui est arrivé à Chérif Ousmane, c'est la conséquence du fait qu'il ait refusé. Et puis, à partir de là, tous ses faits et gestes sont suivis. Avec cette petite révolte dans l'armée, Chérif Ousmane était encore à la base. Donc, c'est pour ça qu'il a été violé. Il a été violé. Il va faire mains et pieds. Il va essayer de se soigner. Il va essayer comme il peut. S'il sort de là vivant, ne venez pas nous dire que c'était une simple maladie. Ce n'est pas une simple maladie. On se connaît. Ce n'est pas une simple maladie. Vous comprenez? Donc, Chérif Ousmane a été violé. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, vous prenez ça, vous jetez. Vous prenez ça, vous jetez. Vous prenez ça, vous jetez. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais les mêmes rebelles, les zones qu'ils ont occupées, hein, ils ont occupé des zones. Les zones qu'ils ont occupées là, il y a la casse d'Abobo dedans. Mais cette casse d'Abobo là, Abobo Anado là, ou bien Abobo, comment on appelle ? Abobo Banco. La casse d'Abobo Banco, là. Ils ont cassé. Ils ont vraiment cassé. Ils ont fermé cette casse-là. Ils ont cassé. Ils ont mis les gens dehors. Les mêmes qui les ont soutenus. Les mêmes qui ont voté Alassane Draman Ouattara. Les mêmes qui ont donné leur corps et âme pour Alassane Draman Ouattara. Les gens qui se sont mis devant les gens. Qui ont découpé des gens à cause d'Alassane Draman Ouattara. Qui ont brûlé vivants. Ils se sont dit que là, c'est leur coin. Mais vous avez fait ça pour Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, vous avez vu. C'est pour ça que je vous ai dit que Gbagbo Laurent ne va pas battre campagne. La campagne de Gbagbo Laurent est déjà battue par Alassane Draman Ouattara. On va écouter des jeunes de la casse, ce qu'ils disent aujourd'hui. On va les écouter. Gbagbo Ourie, 2025. Ouais. Nimi Sibo de Laurent Gbagbo Mesa. Sans à la ferraille d'Abobo. La ferraille d'Abobo, regardez. Voilà où mon magasin était. Voilà où mon magasin était, ils ont cassé. On dit merci à Dieu, ouais. Parce que c'est Allah qui nourrit tout le monde. Il n'y a pas un gouvernement qui veut nourrir quelqu'un. Ouais, athée. Fabo Ourier 2025. Ouais. Nimis. Nimi Sibo de Laurent Gbagbo Mesa. Wale Bilei. Nimi Sibo de Mesa. Gbagbo Vanima Sibo de Mesa. Et. Femme Mini Vodé. Ama Vodé. Ama Vodé. Ama Vodé. Eux tous sont à terre dit. Ils vont voter Gbagbo Pion. On sait pas où ils vont aller. Ils vont le voter. Dieu, ouais. Il y a pas
On est les musulmans, on croit en Dieu. On ne sait pas où aller. Voilà. Ami Voté Gbagbo. Yafa Mahamarali, là, on t'a touché, on t'a fait mal. Faut nous pardonner, c'est ce qu'il dit. Ami Voté Gbagbo. Il demande pardon à Gbagbo Laurent. Il dit qu'ils vont le voter. 2025, c'est Gbagbo au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il est en train de dire en Malinké, en Babara. C'est ce qu'il dit en Djoula. Amis, votez, ils vont te voter. Gbagbo Laurent, sa campagne est déjà faite par Alassane Draban Ouattara, qui casse, qui pille. Parce que quand il casse, là, il vole. En même temps, il permet aux gens de voler. Donc, 2025, là, c'est Gbagbo Laurent qui sera président. Si après tout ça, après les casses, après les vols, après avoir jeté les gens dans les rues, après avoir arraché le petit commerce, la nourriture dans la bouche des populations, Alassane Draban Ouattara se proclame président, c'est que vraiment, c'est un sorcier et qu'il veut la guerre encore en Côte d'Ivoire. Oui, c'est qu'il veut la guerre. Parce qu'en réalité, on ne peut pas voir ça et puis aller voter son bourreau. On ne peut pas voir ça et puis voter Alassane Draban Ouattara encore. C'est incompréhensible, les amis. On ne peut pas comprendre. Donc, Gbagbo Laurent, tout le monde est en train de dire que c'est lui. Tous ceux qui ont soutenu Alassane Draban Ouattara par le passé soutiennent Gbagbo Laurent pour 2025. Ils veulent Gbagbo Laurent au pouvoir pour 2025. Attelons-nous à cela. Battons-nous pour cela. Voilà mon message aujourd'hui. Donc ne soyez pas surpris que vous appreniez un jour que Chérif Ousmane est décédé. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas aussi surpris. S'il n'est pas décédé, qu'il est en train de lutter entre la vie et la mort, il continue de se... C'est qu'on lui a donné l'antidote, mais on lui a montré qu'on peut finir avec lui. Donc il faut faire attention. Ouvrons les yeux. Ne ratons plus notre destin. Ne ratons plus l'homme de la situation en Côte d'Ivoire. Ne ratons plus celui qui doit diriger la Côte d'Ivoire comme il faut pour que chaque Ivoirois et Ivoirienne, pour que chaque Africain qui vit en Côte d'Ivoire soit à l'aise. Pour que les pays Mali, Burkina, Togo, Bénin, Libéria, Guinée, on puisse rattacher ces pays-là. On puisse former un. On puisse former un bloc. Et tous ceux qui travailleront avec l'impérialisme, avec les impérialistes, avec les colons, seront déposés pour que désormais on soit une puissance africaine. Je sais que vous avez compris mon message. Partagez cette vidéo, n'oubliez pas. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec nous. Merci, bonne journée à vous. Je ferai une vidéo ce soir encore, s'il en faut, sur TikTok. Ciao, ciao, ciao.